Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un reportage que j'ai trouvé absolument génial à faire, c'était au Gabon. L'objet de ce reportage, c'était partir pendant une semaine et demie avec des commandos parachutistes français qui devaient suivre un stage de survie en forêt tropicale. C'était super sympa. Nous étions deux à partir. Moi et une jeune femme qui était photographe et qui finalement, d'ailleurs, fera le commentaire et le montage de ce film. Arrivé à Libreville, en province du Tchad, nous avions fait déjà un petit reportage à N'Djamena. À présent, vous rentrez dans la phase la plus importante de votre instruction ici, instruction spécifique jungle. Je vous souhaite un excellent départ. Mon capitaine, vous pouvez faire présenter les armes. Présentez. Homme. Nous voici donc avec ces commandos sur la piste d'envol. Ils s'équipent pour sauter sur la forêt gabonaise. Je suis le lieutenant chef de section CRAP, commando de recherche et d'action dans la profondeur au 3e RPIM. Alors les missions qui nous sont dévolues sont de plusieurs types. Il y a des missions de renseignement et on a des missions de type action. Ça peut être délivrer des otages, par exemple. C'est une action qui peut être donnée au CRAP. En général, ça correspond toujours à une action qui se situe, une action très brève, rapide, ponctuelle, mais avec énormément de violence. Il n'y a pas droit à l'erreur dans ce genre de choses. Et la dernière fois que les CRAP ont fait parler d'eux, c'était quand? Mauvaise question. Nous, malheureusement, nous serons amenés en jeep sur la dropping zone où atterriront ces équipes. L'avion qui largue les chuteurs opérationnels se trouve à très haute altitude, c'est-à-dire sur une altitude en général qui est utilisée par les avions de ligne et par les avions commerciaux. À partir de ce moment-là, on peut partir à n'importe quel moment, on ne sera pas vu au radar. C'est ainsi que nous pourrons les suivre ensuite durant ce stage de survie dans la forêt et les marigots. Nous voilà arrivés à proximité de la forêt. C'est la dernière liaison radio avant de s'enfoncer dans cette jungle. Whisky, whisky, ici Fora Québec, parlez. Bon, ici Fora Québec, azimut à prendre à partir de l'entrée du Layon, 3920 millième. C'est correct. Ok, merci. Ça, c'est les traces d'éléphants. Ça, c'est tout récent. Hein. Bon, vous restez là et vous restez là, je vais voir là-bas. Là. Je n'ai pas envie de mettre des petits. On va tomber nez à nez avec un. Il va se pointer, là, il va sortir la trompe. Le lieutenant Courcel est un homme très sympa. Le courant passe tout de suite. Il est vraiment drôle en plus. Ses hommes et lui forment une vraie équipe. Les plaisanteries fusent de tous les côtés. Ce groupe est vraiment marrant. C'est vraiment une très très belle ambiance. La forêt ici, c'est 40 degrés à l'ombre, 40% d'humidité. Nous profitons d'une trace faite par des éléphants pour pénétrer cette végétation qui se fait de plus en plus dense. Bon, il y a un lion marqué, je vais le suivre, mais ça ne correspond pas à l'azimut. Hein. Il n'y a pas de trou, là. Dans les marigots, il nous faut nous protéger des sangsues et autres bestioles. La progression est très, très lente. Aujourd'hui, dans ce milieu insalubre, demain dans le désert ou dans les zones arctiques, ces hommes doivent savoir manœuvrer sur tous les terrains. Les missions qu'on leur confie les obligent à intervenir dans des endroits difficiles d'accès. Et ils ont beau être des spécialistes du franchissement, il leur faut s'accoutumer à ces environnements hostiles.
En forêt équatoriale, la topographie n'est pas simple. L'érosion permanente du sol rend presque inutilisables les cartes rapidement périmées. Nous progressons à la boussole parce qu'il nous est quasi impossible de repérer la direction du soleil. Pour garder l'azimut, nous devons traverser une zone de marigots. Nous nous enfonçons dans une vase puante et pleine de sangsues, tout en essayant tant bien que mal de protéger le matériel. Nous ne pouvons avancer que de 5 à 600 mètres par heure. Les rangers, c'est étanche, hein. Une fois que l'eau est dedans, elle ressort pas. Ah, ça y est, là, j'y suis. Hein. Oh, putain. Oh. Après plusieurs heures dans ces conditions, deux hommes marchent en tête et balisent la piste pour le reste du commando. Attention, un félin est peut-être repéré. Il y a quatre empreintes au sol. Quatre empreintes de doigts, je pense que c'est un félin. Impossible de trouver de l'eau potable dans cette moisissure? Ce serait vraiment compté sans l'expérience de ces hommes, qui savent que certaines lianes contiennent une quantité non négligeable d'eau, d'eau minérale. Hé, hey, monte en haut et tu coupes celle que tu tiens. Eh, mais il n'y a pas besoin de la couper. En fin de compte, c'est un fait, le Tarzan portugais. Attention. C'est bon, pas plus. Putain, il pleut ici. Attends. Ah ouais, regarde. Là, il faut souffler. 18h30. Il nous faut nous arrêter pour la nuit. Des racines qui ont l'air comestibles sont déterrées et préparées pour le dîner. Quelles que soient les circonstances, ces 12 hommes utilisent avec automatisme tous les principes acquis lors de leur formation et agissent selon une organisation stricte. Les conditions de réussite d'une mission, c'est d'abord la survie, un endroit pour dormir et de quoi manger. Les racines que nous avait préparées le groupe se révèlent immangeables. La journée de demain sera consacrée à la chasse. Réveil à l'aube. Debout à l'aube, nous déjeunons d'un peu d'eau chaude. Je vous rappelle qu'on ne parle pas à la bouche pleine. J'aime bien celle de matin, c'est un petit peu de camembert avec le café. C'est pas pareil. Hein. C'est que je vais me déjeuner, c'est pour dire. Des œufs au bacon, des yaourts, des fruits, des pains en raisin. Une série de croissants. Et chaque fois pareil, faut pas dire un petit. On part chasser. Chasser, pêcher. On va aller direction la première lagune. On va mettre en place une ligne de fond. On est là pour 15 heures quand même, qu'on est en train de faire cuire éventuellement si vous arrivez. A priori, on va trouver des canards, peut-être des varans. Vas-y. On va voir. Ça pue le fauve, hein. Ouais, il vaudrait mieux des canards, quoi. C'est la viande. Ce soir, nous avons mangé du rat. Ça, c'est du piment, toi, que j'ai fait tout à l'heure. Comme on est en survie. Celui-là, avec les noix de coco écrasées. Hein. Et du piment, il y en a un peu plus bas, là, des petits piments. Là. Ça, le basculé. Ouais, j'aurais mis de l'eau de mer, ça aurait été salé. Courcelles nous éclaire sur les spécialités de son équipe, sur ses missions. Elle peut piquer celle-là. Ouais. Moi je peux te dire qu'un doigt il doit y avoir. Une section comme celle-ci, c'est quelque chose qui est très, très félin, qu'on manœuvre de manière très, 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 très aisée. Les gens peuvent travailler isolément, voire. Enfin, en général ils travaillent par deux, mais ils peuvent travailler isolément sans aucun problème. Il y en a un qui est spécialiste en sport de combat, il y en a un qui est spécialiste en tir et armement, tout ce qui est armement étranger, etc., enfin, armement léger.
Il y en a un qui est spécialiste tout ce qui est mécanique, enfin armement étranger également, engin étranger, engin français et engin étranger, soit blindé, semi-blindé ou chenillé, enfin engin à roue. Bon, on a un spécialiste transmission, spécialiste explosif et franchissement, et puis un spécialiste photo également. On a aussi un spécialiste effraction. Il y a 9 sous-officiers, 2 caporaux chefs qui sont appelés à devenir sous-officiers assez rapidement, et un officier moi-même. À Beyrouth, au Liban, les chuteurs opérationnels ont eu beaucoup de travail dans le domaine de la protection des personnalités, dans le domaine du renseignement également. Évidemment, on ne travaille pas de la même manière avec 12 professionnels, je veux dire, qui sont vraiment des professionnels, ils connaissent à fond leur travail, qui savent pratiquement tout faire, qui sont polyvalents. On couvre énormément de terrain et par le savoir-faire de chacun des personnels, on arrive à des résultats qui sont fantastiques. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Hein. Vous assistez actuellement à la dégustation du rat. Alors hier soir, on a tous été pris de nausées assez violentes. On a été piqués à la gorge par des... Les gens avaient mangé des milliers d'aiguilles, c'était vraiment infect. La chasse d'un matin, c'est départ à 6h30. Hein. Cette nuit, nous avons été réveillés par un troupeau d'éléphants de forêt qui sont passés à quelques mètres du bivouac. Au bout de quelques jours, il leur faut disposer des pièges dans le cadre de l'instruction à la contre-guérilla. Et là, je me crois vraiment revenu quelques années plus tôt pendant la guerre du Vietnam. Ces pièges étaient l'ennemi numéro un des soldats américains en patrouille. On a des gens qui sont en cours de reconnaissance sur les différents axes, sur les itinéraires d'infiltration éventuels qui arrivent ici. Et ils vont y placer des pièges et des sonnettes de manière à se couvrir face à la direction dangereuse. On va faire trois rangées de piques croisées comme ceci. Hein. Et automatiquement, quand le tic va passer, hein, le premier qui va passer, il va déclencher le système et avec le système de renvoi, ça va lui revenir en plein sur l'estomac et là, ça va le bloquer net. Hein. C'est pour ça que les piques, en étant boulées, seront plus solides et ça rentre plus profondément. C'est méchant comme piège. Ah, c'est assez sympathique, non ? C'est sympathique comme piège. Alors, pour celui qui le pose. Hein. Maintenant, pour celui qui le prend dans la paillasse, c'est dur. C'est très dur. Il faut rechercher l'efficacité maximum. Hein. Hein ? Avec un renvoi assez violent, bien sûr. Alors ? Vous auriez aimé connaître le Vietnam ? C'est quelque chose que moi j'aurais aimé connaître, oui, bien sûr. Parce que là bien sûr, on mettait en œuvre tout ce qu'on voulait, là, en sorte de piège. Là, libre choix, comme on dit. Huitième jour. Nous attendons un parachutage de matériel. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas qu'on fait quelque chose. C'est toujours quelque chose de très important sur le plan du résultat. Dans l'action, on donne toujours tout ce qu'on a. Il n'y a pas de réserve. Quatre passages. Il est tombé en limite droite là, de la zone. Hein. Compte tenu de la faible portance, vous pouvez larguer un petit peu plus au centre. Hein. 3, 2, 1, stop ! Largage ! Alors, y a-t-il une vie de famille pour ces hommes ? Toujours en opération ? Oui. Correct. Sinon, vous êtes marié ? Oui, je suis marié. Vous voyez beaucoup votre femme ? Question à ne pas poser. Je suis marié depuis 6 mois maintenant et j'ai vu ma femme très peu de temps. Je l'ai vu 22 jours depuis qu'on est marié. Voilà. C'était le temps jours. Du voyage de noces ou même pas ? Même pas, parce que le voyage de noces a été largement écourté. Toutes les semaines, on s'en va en stage, on s'en va en exercice, en manœuvre, etc. Et c'est fait qu'on se voyait de temps en temps le week-end. Je suis pas encore marié. Je vais me marier d'ailleurs en rentrant. Tout de suite en rentrant, je me marie. Et en France ? Oui, en France. Vous allez faire une fête, là ? Bah ouais, parce que maintenant, on a prévu à l'équipe que celui qui allait se marier, le reste de l'équipe viendra faire un saut et sera là à l'église avec les parachutes. Un peu tout, quoi.
Si l'aventure est encore présente dans l'armée française, c'est pour ces hommes qui font évidemment rêver dans les casernes. Alors, j'espère que vous avez aimé ce récit. Et puis, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mon blog. C'est important, mon blog. Abonnez-vous. À bientôt. Salut. Thank you.